Yo les gars, c'est Zetrox, j'espère que vous allez bien les gars, et dans cette vidéo je vais vous montrer où est la puce de décryptage numéro 19. Donc n'oubliez pas le petit code créateur Zetrox Nomad dans la boutique, d'accord. Donc vous me le dites en commentaire les gars, vous ferez une petite dédicace, d'accord. Donc voilà, du coup on se trouve directement au lieu où il y a la puce de décryptage. Hop là. Donc c'est juste ici les gars, entre Polar Peak et Shifty. Ici je vous montre le point, voilà. Ok, du coup les gars on va bien aller dans la structure en métal. On s'y rend dans quelques secondes, allez c'est parti. Risque d'y avoir du monde, peut-être, non. Donc bien sûr les gars, il faut la tenue Vega, donc c'est celle que j'ai, donc si vous l'avez pas les gars, vous pourrez pas faire le défi malheureusement. Hop là. Allez on y va les gars, il faut juste les textures, ah voilà, ok. Du coup on va aller du coup à l'arrière, il me semble que c'est plus à l'arrière, ou devant, faudrait voir, il me semble que c'était à l'arrière, j'ai vu juste avant. Donc c'est parti, on s'y rend tout de suite, hop là. Je suis tombé. Là on remonte ce... Ils veulent nous taper, au secours. Ok, ok, défends-toi au Pyralux. Défends-toi, défends-toi. Va les tuer. Oh, ça dégage. Du coup, putain, t'as de la chance. La puce de décryptage qui est juste au-dessus, il me semble. Voilà, elle est juste ici, les gars. Donc vous avez bien l'arrière de la structure en métal. Hop là, je me mets ici. Hop là, voilà, on se protège pas mal. Ok, et du coup voilà les gars, c'est juste ici, c'est la puce de décryptage 19, donc cherchez avec la tenue Vega dans un bâtiment vaisseau spatial, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce les gars, je vous dis à plus.